Jeudi 13 mai 2021. Salutations à toutes amies, toutes frères et sœurs, tout côté nous situés, non, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et non pas bouquet dit l'Éternel merci pour grâce libre à monde manifesté envers nous. Cher Seigneur, maintenant sauveur non, nous merci pour grâce à monde au manifesté envers nous, cher Seigneur. Pour permettre notre Dieu, notre libérateur, capable bien l'autre fois rencontrer notre travail là. Merci pour grâce, merci pour amour. Cher Seigneur, nous la gagné occasion ça, frère Boubé nan men avec toute famille d'ailleurs l'Éternel papa ou connaît cher Seigneur et but à objectif là c'est toujours mettre en place que vous doyer dans la vie nous. La gueule dans moi avec toute famille, cher Seigneur. Et nous la gueule le groupe Sabios dans moi. Nous la gueule l'Éternel Papa. Dieu a texte en fanance au service, Dieu Tout-Puissant. Et nous m'a dit, répandre grâce dans la vie. Et vos diacres Johannes. Et nous la gueule frère et sœur Oudlin. Et frère et sœur Asselom, frère et sœur Miton, frère et sœur Rinol. Et frère Sestay mon désir, et frère Wilman Toussaint, frère Wilman Dorelus, et non la gué tout en monde, non la gué Jean-Emmanuel Doléan, Peter Tevenin, et non la gué dans mon l'Éternel, frère Louis des frères Los, frère Légèrement, frère Sonny, frère Jules Miss, et Fiel Edmond, frère Février, frère Richemont, et frère Chérubin, frère Lionel, non la guenan mon sœur Clélie, sœur Marie-Claude, sœur Julia, et non la guenan mon sœur et Rachel Desulmé, non la guenan tout le monde ça, non mon occasion ça, non m'a dit cher Seigneur, répondre grâce ou, c'est ou même, non pas gagner l'autre encore, cher Seigneur, et n'a pas demandé chaque jour, qu'est-ce que nous route là, cher Père, pour avancement travail ou l'Éternel papa. Non la gué frère et sœur Maï, frère et Anderson, frère Voltaire, ou connaît qui besoin l'Éternel frère et sœur Thierry, les membres de la mission évangélique baptiste à la gloire de l'Éternel, pasteur Kelly Bernard, frère et sœur pasteur Dadianilus, non la gué l'Éternel papa, les branches Janvier Mentor, Céline Kamassé, et Coriolan et Jean Laurent, nous la gué tout dans mon Dieu tout puissant. Aide au papa m'nan, pour te secours l'Éternel. Laurent également, cher Seigneur, que nous bénis, que nous glorifions pour toute famille, au petit tout au papa. Frères et sœurs, nous avons commencé déjà avec le livre Amos là. Selon ça, nous avons dans le livre Amos là, nous avons seulement les grands points. Nous te fait un grand vu sous lit, mais nous pas de comprendre au chapitre par chapitre. Livre Amos là, nous gagne quelques petits chapitres là pour nous prendre ensemble. Vous comprenez? Donc nous dit l'Éternel merci pour ça. Nous gagne 9 chapitres oui, là pour nous prendre ensemble là dans Livre Amos là. C'est sûr que l'Éternel pourra le permettre nous prendre là. Allons commencer par le commencement. Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa. Vision qu'il a eue sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, roi de fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Dit de Sion, l'Éternel rugit de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil, et le sommet du Carmel est desséché. Frères et sœurs, non li de verset et non pralé roi de verset yo. Donc Jéroboam c'était roi d'Israël, Ozias c'était roi de Juda, et nan occasion que Amos tapé prophétisé ya, la parole là montrer non, et t'a pral gen yon tremblement de terre qui t'a pral passé. Ça veut dire, nous sommes capables de rendre compte que
Et pas dans l'époque non seulement qui gagne un tremblement de terre, et surtout frères et sœurs n'a pas d'oubli dans bloc Asia. Tremblement de terre sont bagay qui très courant dans côté yo situé yo face à terre à la mer. Donc ça fait que yo très frappé. Après c'est tout le temps derrière Chine, Japon, il a peut frappé par des tremblements de terre. Et non capable dire dans l'époque n'a vu là tremblement de terre ça a pas fait gros dégâts, parce que moun yo censé yo instruit pour vivre avec tremblement de terre. Donc c'est très important. Alors et mais qui ça te fait l'Éternel te frappé yo? Alors là frères et sœurs, on garde pour nous verset 2. Il dit de Sion l'Éternel rugit. Frères et sœurs, le verbe rugir signifie prêt à dévorer. Parce que là on parle de rugissement de lion, lion c'est comme si c'est élancé, l'a élancé sous poids, ça veut dire l'a élancé sous bagaille pour le prendre, pour bête pour le prendre, sous viande pour le prendre, pour le dévorer. Alors figure ça les employés pour l'Éternel, c'est les l'Éternel fâché à l'extrême. Il fâché à l'extrême parce que Israël est tellement a fait bagaille qui pas bon. Et l'Éternel t'a pral servi avec le berger Amos. Et d'ailleurs, nous songeons dans l'introduction de Tédou, et qui côté Amos t'est passé plus vili, c'est dans le désert. Même si c'était berger, il était bête là, il t'a gardé. Et il y a eu une occasion ça, mais il y a eu berger, t'es trouvé dans le deuil. Ça veut dire, frères et sœurs, les bergers t'es trouvé dans le deuil tellement t'es gain pile. Bête, mouton, chameau, etc. Cabri, bœuf, cap mouri. Non, mais yo, parce que tête côté même, tête mode pour ta prension, yo, elle était desséchée. Donc, nous comprenons que ce n'est pas seulement une question de tremblement de terre, mais de sécheresse à outrance. Ça veut dire, frères et sœurs, et toutefois, tant que nous toujours dit ça, toutefois, l'homme a péché contre l'Éternel, c'est toutefois l'Éternel a fait intervention contre l'homme, l'a frappé l'homme de façon terrible. Parce que l'Éternel, pas d'accord, n'a pas bali n'importe qui bagaille. Et ça fait, frères et sœurs, nous toujours voulons encourager, moi, ma voix, c'est mon nom, non, n'est des faiblesses, mais pour nous toujours prendre précaution non, à l'Éternel. Bonne Carmel là, frères et sœurs, il dit non, on a été desséché. Et l'Éternel va commencer à parler avec Amos dans ce sens-là. Mais si parle l'Éternel à cause de trois crimes de Damas, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont foulé Galaad sous des traîneaux de fer. Frères et sœurs, ça veut dire, mais comment prophétie a commencé? Amos a commencé, mais qui parole l'Éternel a dit Amos pour le dire. Donc, l'Éternel dit l'a frappé Damas pour trois crimes et même quatre crimes. Li pa campé dans décision le prend. L'a mayo quand même. Parce que yo foulé à terre. Principe l'Éternel. L'Éternel dit dans verset 4 là, j'enverrai le feu dans la maison de Azaël et il dévorera les palais de Ben Hadad. Frères et sœurs, entendez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ces âmes là, ce sont des âmes utilisées par l'Éternel pour exercer jugement. D'ailleurs, notez ouais. Et dès le commencement, et dans l'explication de notre baou, nous te wel déjà que l'Éternel a pu utiliser jugement, l'a utilisé jugement pour le frapper sérieusement, frères et sœurs, Israël et nation qui trouvait à côté d'Israël au nombre de sept nations. Frères et sœurs, c'est une question de feu. J'enverrai le feu dans la maison de Azaël et il dévorera les palais de Ben Hadad. Donc ça veut dire que
l'Éternel a plagué du feu. Donc on entendait ça arriver en Amérique là, les qu'on arrivé en Europe, on entendait du feu prendre en forêt. Les qu'on fait plusieurs semaines oui. Puis gros forêt qui vient à travers le monde ça nous relier Amazonie. Hein, 2 ans de cela, il était gon du feu prend la dernière. Du feu a été duré près de mois, oui frères et sœurs. Alors que gain des vivants plantes comme bêtes qui peuvent vivre là-dedans. Donc son bagage est super tragique et des fois du feu à qu'on prend les vins liés encerclés bêtes qui peuvent vivre et au bas un côté où qu'à aller. Au bas un côté au bas une direction que au cap prend. Alors L'Éternel utilisait ça yo pour lui exterminer, pour le juger, monde qui agit mal. Je briserai les verrous de Damas. J'exterminerai de Bica, Aden, les habitants et de Beth-Eden, celui qui tient le sceptre. Et le peuple de Syrie sera mené captif à Tyr, dit l'Éternel. Frères et sœurs, gen de mou la, m'ta remen non ba on ti explication. L'el dit, les verrous, ça veut dire, c'est clé qui est extrêmement dur. Je briserai les verrous de Damas. Donc ça a été comprendre que qui a servi de sécurité, de verrous de fer, donc on a parlé de bagay ça, avait dit, et ba qui vraiment, clé était solidement, mais l'Éternel dit, il a crasé ça. L'a craser ça toute puissance yo comprendre l'Éternel dit l'a craser ça les habitants de Bica Aven l'Éternel dit l'a exterminé yo de Beth-Eden moun ki gen pouvoir nan men le sceptre qui tient le sceptre l'Éternel dit l'a mayen nou peuple Syria même l'a fait aller en captivité à Kir c'est l'Éternel qui parlait comme ça parce que ça l'Éternel dit, c'est parce que gen nécessité pour le faire. Gen nécessité pour le manger. Gen nécessité pour le frapper. Et l'Éternel prend décision. Gen de l'Éternel dit, ma décision est irrévocable. Qu'est-ce que cela signifie quand l'Éternel dit, ma décision est irrévocable? Cela veut dire, je ne veux pas faire bac arrière. Pas tourner parce que faut que yo même yo ta prend conscience pour yo comprendre que dans situation réelle pas bon mais toutefois yo pas prendre décision ça m'pas tourner derrière moi pas tourner alors c'est très important frères et sœurs chers amis parole là dit là l'Éternel dit l'a mené yo l'a mené les habitants de Syrie non connaît hein Syrie non connaît et non seulement différence dans le café, donc a dit ancienne Syrie. Si ou tant de Bacha a fait la pied des beaux temps qui fin craser à partir d'un guerre et fratricide là, souvle une guerre civile là, c'est Syrie ça même Paul a parlé là qui situé li dans pointe Asie là, frères et sœurs. Paul a dit là L'Éternel dit peuple Syria l'a voyé à Kir en esclavage. L'a pe mette ou nan rolio parce que yo pas respecté l'Éternel. Frères et sœurs, m'a toujours dit ça. Au-delà de tout ça nous capable dit de ça le monde a connait qu'on y a là. Mais n'a pas dit aussi le monde pas de travail pour ça l'a subi l'Éternel qui a empêché de arriver. Mais puisque le monde travaille pour ça l'a subi frères et sœurs, n'a pas dit ça avec certitude, l'Éternel a pris en pile précaution pour accomplir jugement comme ça doit. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, Paul l'a dit là, ainsi parle, verset 6, ainsi parle l'Éternel à cause de
trois crimes de Gaza, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Edom. Frères et sœurs, pas oublier Edom, non? C'est ancien nom qui a été baillé, c'est nom associé qui a été baillé à descendant Esaü. Esaü, vous connaissez, était le frère de Jacob. Mais depuis, on parle d'Edom, et c'est les descendants d'Esaü. Et on connaît, groupe Mounsayo, il a été gagné, ça, t'as qu'on j'en t'a dit, moi, il a été gagné, il a une malédiction sous tête, yo. Car Paul l'a dit, Dieu aima Jacob, il haït, ou soit il est Esaü. Donc, et bien que, na type d'interprétation non yo non pas prend haïr là dans son sens propre mais quand même Léo dit ça c'est dans le sens de l'accompagnement. Dieu accompagne Jacob, pourtant Dieu ne s'attache pas à Esaü parce que Esaü ne respectait pas les principes. Esaü n'obéissait pas au principe de l'Éternel, à la parole de l'Éternel, mes frères et sœurs. Alors, ça n'a pas rien là, non, ouais. Il y a quelques petits bagages, moi, te dis, nous déjà, n'a pas rencontré là. Et dans la condition ça, l'Éternel dit, la paix manque terriblement. La paix frappe, yo. Crime de Gaza, quatre crimes, les papes fait bac, la manque, yo. Il dit dans verset 7 là, j'enverrai le feu dans les murs de Gaza, il en dévorera les palais. La voyez du feu dans zone Gaza. D'ailleurs, vous entendez parler de zone Gaza. C'est zone ça, oui. Vous entendez dire et comment il est en canal de Gaza, je ne me rappelle pas le vocabulaire. Et l'Éternel a souvent parlé de ça. Alors, l'Éternel dit d'abord, j'exterminerai d'Asdod les habitants et d'Ascalon celui qui tient le cep. Je tournerai ma main contre Écron et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur l'Éternel. Mais zone ni commencé, mais côté la main Asdod. Ascalon, même mon cap dirige et croit, il dit même reste pays philistin yo y a péri parce que yo en affaire avec chef des chefs là, yo en affaire avec toi, y a vivre loin de principe de l'Éternel et l'Éternel pas jouer avec yo. Donc comme l'Éternel pas frappé un monde comme ça sans le pas voyer avertissement, li voyer avertissement ba yo. Bon, malheureusement, des fois l'Éternel voyer avertissement. Alors on a dit très souvent même, l'Éternel voyer avertissement yo, yo ridiculiser moun que l'Éternel voyer yo. Ou après, ça t'est arrivé dans ancien temps et ça arrivé dans époque on a vécu là toujours que l'Éternel continue à voyer des serviteurs, des servantes pour aller parler avec population yo sous ça li disposé pour le faire, sous ça ta même fait pour de bien et sous ça li menacer pour le ta frapper yo. Malheureusement mes frères et sœurs yo laissé yo frapper, oui, raison parce que yo pas voulu prendre conscience des détails yo pour l'Éternel ta retirer yo dans ça yo ya. Donc là frères et sœurs, et c'est pas un souhait lié. Et l'Éternel, et ça l'Éternel t'a dit là. Nous remarquons, lui répéter bagay ça, c'est me garder depuis dans qui chapitre. Dans bien verset 3, lui répéter à cause de trois crimes de Damas. Ça veut dire la main Damas là. Et lui l'elvini dans et frères et sœurs, verset 6 là, lui dit à cause de trois crimes de Gaza. Frères et sœurs, kounya la,
les noms à peu près verset 9 là, il dit ainsi Paul l'Éternel à cause de trois crimes de tir, toute zone l'Éternel a peu frappé, l'Éternel répété à cause de trois crimes et même de quatre. L'Éternel dit je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont livré Édom à Édom une foule de captifs sans se souvenir de l'alliance paternelle. Donc il a fait bagaille qui pas bon sans ou pas même songer à l'alliance que l'Éternel te fait avec toi, hein, alliance que l'Éternel te fait avec parents toi que eux même yo te doit respecter, que yo te doit marcher suivant trace là. Mais l'Éternel dit là frères et sœurs, les papes capables prendre des granger pour le garder ça. Yo pas songer alliance là, yo livrer corps dans toute une série de bagaille, yo là captif là captif là gain et non connaissé sens esclavage. Mais des fois esclavage là pas purement une colonisation, une métropole face avec une colonie, li konto esclavage et diabolique. Tant que Jean Haïti trouvé en esclavage diabolique, il y a pas doué non les Haïtiens, n'a pas doué les esprits, les mauvais esprits et qui gagne des conséquences néfastes sous évolution. Non, assez très important mes frères et sœurs. Alors l'Éternel dit là, les a fait action qui pas bon, yo pas même songé de alliance que l'Éternel te fait avec eux. L'Éternel dit tout, l'a voyé le feu dans les murs de tir et il en dévorera les palais, même côté gros chef yo été yo, toute zone ça yo a été détruit par le feu de l'Éternel à cause toujours des crimes, hein, parler de crimes de tir, crime de Damas. Là la peut parler non pas pour lui dire très certainement li gen pour parler des crimes de Dom. Même de quatre, l'Éternel dit ça me décide pour me faire m'a fait li parce que yo travaille pour ça. Donc capable remarquer frères et sœurs et ça n'a pour là yo pas profond pour ta faire me camper non grain verset de grain verset. Mais on met tempo, oui, la privé puis devant. La privé puis devant. Nous revenons à un moment pour nous finir, frères et sœurs. Nous remercions. Ça fait deuxième étude biblique, mais entrer en dedans, Bible, ça c'est première. Donc c'est 36, 76, 58, 73, 41, 20, 74, 33. C'est ça, mon pasteur Pamilis qui encourage. En nous ensemble, pour les têtes, pour nous manger livre et Amos là.